Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo où je vais tester la trousse et la coque de téléphone Lego. Franchement, j'ai tellement hâte. Je pense que ça va être plutôt sympa. Après, il faut voir si les Lego accrochent bien. Et je vais même essayer de faire un mini pixel art pour peut-être chacun des deux. On verra le temps de la vidéo, combien de temps elle durera. Si vraiment c'est trop long, j'en ferai que un seul. Si j'ai le temps d'en faire un deuxième, eh bien écoutez, j'en ferai un deuxième. Peut-être en faire un tout petit ici et essayer d'en faire un plus grand ici. Donc c'est parti, on va déballer ça et voir à quoi ça ressemble. J'ai aussi acheté un petit paquet de mini Lego exprès. J'ai eu ça chez Noz. Donc les prix, ça c'était 50 centimes. De toute façon, ils sont encore écrits. Là, 99 centimes, la coque de téléphone 6S. Et 2,99 € la trousse. Allez, go, je vais commencer par déballer. La coque de téléphone que d'ailleurs je vous ferai gagner dans un prochain concours. J'ai pas encore donné tous les gagnants de l'ancien concours, je suis en retard. Je vais essayer d'en donner encore quelques-uns aujourd'hui, quelques gagnants. Donc n'hésitez pas à aller sur Instagram, vérifier si vous avez gagné ou pas dans la journée. Donc voilà comment ça se présente. On a une coque flexible avec plein de petits endroits où on peut poser les mini Lego. Alors on a une petite notice. Je ne sais pas si on a des idées de mini pixel art. Non, c'est juste vraiment une notice où il n'y a que de la lecture. Ça ne m'intéresse pas. Et là, on a les mini Lego. Donc je trouve que les couleurs ne sont pas superbes. On a plus de couleurs dans les petits sachets achetés à part. Donc je pense que j'ai bien fait d'en acheter. Après, peut-être qu'il y en avait d'autres couleurs avec d'autres coques. J'ai pas vraiment fait attention. Donc voilà comment se présentent les mini Lego. Et ils sont tout aussi flexibles. Je sais pas si vous voyez, quand même. C'est assez squishy, c'est plutôt sympa. Et est-ce que ça s'accroche bien? Donc là, c'est la première vérification à faire quand même. Quand même la plus importante. Oui, eh bien écoutez, ça a l'air une fois bien appuyé, ça a l'air de bien s'accrocher. Plutôt sympa. Je vais essayer d'en mettre un autre à côté, voir si la taille est bonne. Écoutez, impeccable. Donc c'est parti, je vais essayer de tester ça juste après avoir déballé la trousse. On va déballer la trousse avant. Donc la trousse, c'est pareil, elle est vendue avec cette fois-ci un sachet de mini Lego, c'est des mini pixels. On appelle ça comme ça des pièces of small pixies. D'accord. Ah par contre là on a des petits, petits pixels. Est-ce qu'on en a d'autres? Oh il y a aussi les sacs à dos comme ça. Mais c'est classe. Je vais vous montrer le petit livret, attendez. Donc moi j'ai eu ça, comme je vous l'ai dit, chez Noz, mais peut-être que sur un site internet, ils en vendent aussi. Il faut voir en fait. Je ne sais pas du tout. Oh, même les mugs et tout. Mais c'est super sympa. Je ne connaissais pas du tout, ils font vraiment de tout. Waouh! Dites-moi en commentaire si vous connaissiez ce genre de choses. Moi, je ne connaissais pas du tout. Et franchement, je trouve ça super sympa. J'aurais trouvé le sac à dos, je l'aurais pris direct. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose dans la trousse? Non, juste des choses pour la tenir bien, bien formée. Écoutez, la trousse est plutôt grande, plutôt pratique. Franchement, pour aller en cours, c'est plutôt sympa. J'aurais adoré avoir une trousse comme ça pour mes cours. Allez, je pense que je vais essayer de faire un petit pixel art sur la trousse et je verrai si vraiment le temps a trop passé. Écoutez, c'est pas grave, j'en ferai pas. Ou alors je le ferai hors caméra et je vous le montrerai. Et si le temps ne passe pas trop vite, eh bien écoutez, on en fera un deuxième ensemble. Donc j'ai décidé de faire sur la trousse tout simplement le love qui est ici. Donc ça peut être super sympa sur une trousse. Donc c'est parti.
Donc bien sûr, il me faut que du rouge et du noir. Donc je viens faire tout simplement mon petit tri. Comme c'est des petits espaces, donc la trousse est assez... Bah elle est grande, mais je veux dire, pour faire du pixel art, c'est assez petit. On n'a vraiment pas beaucoup le choix niveau dessin. Celui-ci, voilà, j'ai calculé et tout, ça rentre bien. Et ce n'est pas un dessin, c'est plus une écriture. Bon, il y a un cœur. Je ne sais pas du tout ce qu'on peut faire sur la coque de téléphone, car c'est un petit peu plus petit. Mais bon, on va voir, je vais réfléchir. Peut-être que je vais trouver une idée. Donc j'ai bien fait de racheter des couleurs, parce que là-dedans, dans celle-ci, par exemple, il n'y a pas de rouge, pas de rose, pas de vert. Donc j'ai plein de couleurs différentes du coup. Hop, je viens mettre tout ça de côté. Donc il y en a un qui avait un défaut, mais j'ai juste à mettre un petit coup de ciseau et ce sera tout de suite réparé. Voilà, il y avait un petit bout en plus, je ne sais pas, c'est une erreur de fabrication. Après, tout est fait en usine, je pense. Allez, c'est parti pour le love. Donc pour les accrocher, je vais vous expliquer, en fait ce n'est pas super simple, ça ne s'accroche pas si facilement que ça. Il faut appuyer en dessous en même temps pour pouvoir appuyer plus facilement, tout simplement, parce qu'autrement ça ne s'accroche pas. Si j'appuie seulement sur la trousse, eh bien ça ne fonctionne pas. Là il faut appuyer dans les deux sens et regardez, ça s'est très bien accroché. Hop, donc là je forme tout simplement mon L. Ça rend trop trop bien. Donc c'est difficile à mettre, mais regardez, en fait c'est un tout petit rond, je sais pas si vous voyez bien, et le fait que ce soit un tout petit rond et là que ce soit des carrés, une fois que c'est mis, ça tient plutôt bien. Donc c'est pour ça en fait qu'on a vraiment du mal à les mettre. Ça a été fait exprès. S'ils avaient fait exactement la même forme, ça n'aurait pas tenu du tout. Que là, une fois que ça a accroché, bah, pour les enveloppes, faut tirer dessus, mais autrement ça ne s'enlève pas en fait. Donc c'est plutôt sympa. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai commencé le cœur en rouge, mais je n'ai vraiment pas assez de rouge, donc je le continue en violet. C'est vraiment pas l'esthétique que je recherche. Après, peut-être que ça va rendre bien, je vais le continuer. Pour l'instant, en tous les cas, j'adore le résultat. Je trouve que ça s'accroche super bien. Je vais continuer et on verra ensuite ce que ça donne tout à la fin. Donc d'une fois que vous avez compris le système pour accrocher vos petits mini pixels, et bien vous venez tout simplement, en fait moi c'est ma technique, tenir ça comme ceci, donc vous l'accrochez d'un côté, ensuite vous tirez un petit peu, c'est flexible, et vous venez hop l'accrocher de l'autre côté et ça tient. Donc là je vous l'ai montré au ralenti, j'espère que vous avez compris à peu près ce que je voulais dire, pour ceux qui voudront essayer. Quelquefois on y arrive du premier coup et quelquefois il faut recommencer.
Donc voilà pour le love, j'espère que vous allez le trouver joli. Moi je le trouve plutôt sympa. Bon, dommage que j'ai pas pu faire le cœur tout de la même couleur. Après, ça rend plutôt bien, ça donne un petit style différent de ce que je voulais, mais qui est pas si mal au final. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Donc regardez, je peux m'amuser à plier la trousse et ça tient super bien. Donc ça c'est plutôt sympa. C'est vraiment pas mal fait, fallait vraiment y penser. Donc ça, moi je vous le recommande vivement si vous souhaitez avoir une trousse à votre goût, avec votre dessin, avec je sais pas moi, ce que vous souhaitez dessus et tout. Eh bien n'hésitez pas à aller chez Nose vous l'acheter. Il n'y en avait vraiment plus beaucoup. Moi quand j'y suis allée, je ne sais pas si vous dans votre Nose le plus proche de chez vous, vous allez en trouver. Par contre, ce que je vous recommande, c'est d'acheter des petits sachets comme ça de toutes les couleurs. Ils ont plein de couleurs différentes. Je vous recommande d'en acheter plutôt pas mal. Ça coûte que 50 centimes. Moi, comme vous pouvez le voir, j'ai vite manqué de rouge et tout. Donc, n'hésitez vraiment pas. Après, voilà, j'ai acheté un seul sachet en plus. Donc, ça m'a fait plein de petites couleurs en plus, mais totalement différentes des autres. C'est ça qui m'a embêtée. En fait, je pensais que j'avais du rouge dans l'autre sachet, mais pas du tout. La seule couleur que j'ai en double, c'est la rose. Donc, je l'ai eu dans deux paquets différents. Autrement, tout le reste, eh bien, ce ne sont que des couleurs différentes. Ah non, il y a aussi le blanc, j'avais pas vu. Donc voilà, il y a vraiment pas mal de couleurs différentes. Je ne sais pas si je peux savoir combien il y en a. J'ai cru le voir ici sur le petit flyer. Où c'est que j'ai vu ça? Je me suis peut-être trompée. Il y est peut-être pas. 24 couleurs différentes. Ce qui est vraiment pas mal. Donc là, celui-ci, j'ai mis à peu près un quart d'heure, 20 minutes à le faire. Donc je vous recommande de bien prendre votre temps. Après, une fois que vous avez compris la technique, ça vient tout seul. Moi, j'ai eu du mal à faire le L et tout le reste, c'est venu assez facilement. Bon, avec quelques difficultés pour quelques pièces qui avaient du mal à se poser. Bon, autrement, franchement, c'est plutôt simple une fois qu'on a compris. Voilà. Que du positif. Donc, je n'ai pas fait la coque de téléphone car la vidéo est vraiment beaucoup trop longue. Je vous mettrai sûrement une photo sur mon Instagram, donc n'hésitez pas à aller me suivre sur mon Instagram. Je vous mettrai une photo de ce que j'aurais fait sur la coque. Donc j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas les pouces bleus, partagez et abonnez-vous. Bisous les amis!